Our panelists for this session for the forum are Joyce Nishi and Dr. Joanne Kappel. Joyce Nishi is a pharmacist at the Medicine Hat Regional Hospital. Her key areas of interest are teaching and percepting pharmacy students and pharmacists, as well as teaching and working with patients. Joyce has been working as a kidney pharmacist since 2019, but has been a practicing pharmacist since before the invention of the smartphone. Although she grew up on a farm, she can't ride a horse, rope a steer, or back up a trailer. She can navigate a gravel road with the best of them, though, and she is without question an expert in her field. Dr. Joanne Kappel is a clinical professor of medicine at the University of Saskatchewan and is currently the provincial medical lead for kidney health at the Saskatchewan Health Authority. She's the chair of the Kidney Foundation National Programs and Policy Committee and is the Saskatchewan branch medical advisor. She's also co-chair of the Knowledge Translation Knowledge User Committee of the Cancer Chronic Kidney Disease Network. It's my very pleasure to hand you over to Joyce. Hi, everyone. Can you hear me okay? We can. Okay. And Dr. Kappel, are you good to go there? Merci de m'avoir accordé le droit de vous adresser la parole aujourd'hui. Donc, je suis moi. On va réviser ce que vous avez besoin de savoir au sujet du cannabis. Alors, souvenez-vous que cette information est actuelle. Donc, depuis le début de mars 2021, il y a des nouveaux développements et de la recherche qui sont publiés fréquemment. Et c'est la raison pour laquelle l'information n'est que pour aujourd'hui. Donc, sinon, vous pouvez toujours rechercher. Mais avant de commencer, on voudrait vous poser deux questions au sujet du cannabis. Soyez assez assurés que ces questions-là sont anonymes et qu'on ne garde pas vos données. Donc, Chantal, est-ce que vous pouvez lancer la question de sondage, s'il vous plaît? Donc, il y a deux questions. Est-ce que vous utilisez du cannabis? Et est-ce que vous avez déjà essayé du cannabis médical ou récréationnel? On attend une couple de minutes. Je peux voir jusqu'à combien de personnes ont répondu, mais pas qui. Chantal, est-ce que vous pourriez nous montrer les résultats, s'il vous plaît? Donc, la majorité des gens, today, n'ont pas utilisé de cannabis, jamais. Mais à peu près 50 % l'avaient essayé à un moment donné. OK, on revient à la présentation. Merci. So Chantal, can we go back to the presentation? Est-ce qu'on peut revenir à la présentation? Or do I have to... You have to take it off your screen, Dr. Il faut vous l'enlever de votre écran. Voilà. Donc, à la fin de l'exposé, on espère que vous saurez en quoi consiste le cannabis, comment ça fonctionne, comment c'est pris, est-ce qu'il y a des risques aux reins et les interactions entre d'autres drogues que vous prenez déjà peut-être. Et si vous utilisez le cannabis, peut-être des choses qui vous aideraient en termes de trucs. Donc, il y a plusieurs noms pour le cannabis, y compris la marijuana, le pot, la dope, des bourgeons ou bud. Donc, le cannabis, c'est fleur séchée de cannabis sativa et cannabis indica. Il y a plusieurs composés chimiques. Ça peut aller de 200 à au-delà de 700 composés chimiques dans le cannabis. Les deux plus communs dont il faudrait se préoccuper, c'est le delta 9 tétrahydrocannabinol ou le THC. Et l'autre est le cannabidiol ou le CBD. Le THC, c'est ce qui rend les gens buzzés, et le CBD, c'est ce qui est utilisé pour la douleur, l'anxiété ou d'autres effets inflammatoires. Mais le CBD, ça ne vous rend pas buzzé,
mais le CBD contient du THC également. Donc, les produits là, ces produits-là vous rendront buzzé. Que vous fumiez ou mangiez le cannabis, ça traverse des organes, mais éventuellement, ça rentre dans votre sang et ça aboutit dans votre cerveau où il est le plus actif. Et de façon intéressante, les humains ont un système cannabinoïde dans leur corps. Ça s'appelle le système endocannabinoïde. Et donc, ça régule certains des travaux de, vos, de votre corps journalier, que ce soit donc avec les, l'insuline ou autre. Il y a deux récepteurs, le CBD1 qui est trouvé dans les cerveaux, les nerfs, cœur, vaisseaux sanguins, les yeux et le, les tripes, et CBD2 qui sont dans les, le foie et d'autres. Donc, où se trouvent donc, les récepteurs dans le système endocannabinoïde? Ça dépend où c'est contrôlé. Donc, le cortex cérébral, les deux en avant ici. Donc, le système comprend, contrôle son jugement, le jugement, la pensée, la mémoire, à quel point on est alerte, l'humeur, le comportement et la perception du temps et la couleur et le son. Mais cérébellum, à l'arrière, ça contrôle la coordination et le mouvement, comment on marche. Dans l'hypothalamus, qui est au fond du cerveau, le système endocannabinoïde contrôle l'appétit. Et dans l'épine dorsale, les nerfs dans vos bras, ce système contrôle comment on perçoit la douleur. Le système endocannabinoïde contrôle vos yeux, il a du contrôle sur votre cœur, vos vaisseaux sanguins, vos tripes, votre estomac, et ça vous, ça, il y a un système, un impact sur le système immunitaire également. À vous, Joyce, merci. Voyons, si je parle en télécommande, alors voilà. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser, de prendre du cannabis. Donc, la plupart d'entre nous connaissons bien de le fumer. Et puis, en vapotant également, qui est devenu très tendance, comme avec le tabac. C'est devenu populaire. On peut également l'utiliser de façon topique, comme par exemple des crèmes CBD, des lotions, des huiles. Et bien sûr, on peut le manger, comme par exemple dans un, comme un brownie au pot, ou à l'heure actuelle, il y a plusieurs édibles qui viennent d'être présentés au marché canadien, comme des yummies, des bonbons. De façon plus commune, ils sont mastiqués. Mais la plus, maintenant, il y a également du cannabis qui est marchandisé en termes de breuvage également. Having trouble, Joanne. J'ai de la difficulté, Joanne. J'essayais d'aller de l'avant. Joanne, can I get you to... yeah. Voilà. Okay. So some... Donc, à titre de pharmacienne, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est quand est-ce que ces choses-là commencent à agir sur vous. Et c'est, ce qui est important, c'est la majorité d'entre vous avait dit que vous l'avez déjà essayé par le passé. Mais donc, quand est-ce que ça s'est passé? Surtout si vous allez faire des choses comme conduire ou essayer de rester alerte. Donc, si vous l'inspirez, en, soit en vapotant ou le fumant. Donc, ça agit très rapidement. Donc, quelques secondes ou minutes après, vous les avez inspirés. Et les effets durent pendant à peu près 30 minutes. Et ces effets en le fumant peuvent aller jusqu'à 6 heures en durée. Et pour certains patients, cet effet peut durer jusqu'à 24 heures. Donc, si vous pensez que vous allez faire un job, comme par exemple aller travailler ou conduire, ces impacts-là peuvent être encore présents pendant plusieurs heures. Si vous décidez de le boire,
ça prend un peu plus de temps à agir parce que ça, ça prend un certain temps pour être absorbé par, dans votre estomac puis dans votre sang. Donc, ça prend à peu près 30 minutes jusqu'à 2 heures après l'avoir absorbé. Et les effets durent beaucoup plus longtemps, donc jusqu'à 4 heures après l'avoir bu. Et les effets jusqu'à 12 heures, comparé jusqu'à 6 heures après l'avoir fumé. Et encore là, les gens peuvent encore voir des effets résiduels jusqu'à 24 heures ou une journée donc après l'avoir utilisé. So with the cannabis, the... Donc avec le cannabis, il y a un grand marché de produits topiques et ils prétendent faire une variété d'effets. On peut avoir de l'huile au cannabis, on peut avoir également des notions, des crèmes. Et on peut appliquer ça partout sur la peau, les cheveux, les ongles. Et comme Dr. Campbell l'a mentionné, ça varie dans leur conteneur en THC, qui est le produit hallucinogène, ou leur conteneur en CBD. Et ce qui est utilisé principalement pour les gens, surtout pour l'arthrite ou de la douleur. Si vous avez, par exemple, un mal au genou ou au coude, et malgré que ça peut être absorbé, on pense que la quantité absorbée sera tellement basse qu'il n'y aura pas d'effet secondaire ou l'intoxication sera vraiment très, très faible. You know what, Dr. Kaplan? Yeah, I'm having trouble just advancing these here. Okay. J'ai de la difficulté à faire avancer là. Voilà. Pour les prochaines diapos, on va parler des risques de santé du cannabis. Étant donné que le cerveau a plus les récepteurs de cannabinoïdes, c'est là où ça se passe. Donc, ça inclut un jugement endommagé, votre pensée, la mémoire. Parfois, ça mène à la démence et vous n'êtes certainement pas aussi alerte que d'habitude. Et la plupart des gens auront de la distorsion dans le temps qui est beaucoup plus lent, aussi dans la couleur, le son, et la coordination ne sera pas normale et vous aurez plus d'appétit, et d'où le terme on a les munchies. Et si avant d'arriver au cerveau, c'est complètement. Il ne faut pas en prendre jusqu'à ce que le cerveau soit complètement développé, c'est-à-dire 25 ans. Le cannabis également peut avoir un impact sur votre santé mentale. Ça crée plus d'anxiété, surtout si vous l'utilisez en grande dose. On peut avoir des troubles, des attaques de panique, aussi risque de dépression. Et tout ça, c'est plus commun et empirer si vous avez un historique de santé mentale. De fumer le cannabis, ça peut être à peu près la même chose que des cigarettes ou des cigares. On a un risque accru de bronchite, pneumonie, surtout si vous avez des problèmes avec votre système immunitaire ou si vous prenez des médicaments qui réduisent votre système immunitaire, comme par exemple les gens qui ont une insuffisance rénale. Mais par contre, le risque de cancer de poumon ne semble pas être accru comme les gens qui fument la cigarette ou le cigare. Et si le cannabis est pris en grande dose, ça peut causer de la tension artérielle basse et on peut s'évanouir. Mais chez certaines personnes, ça peut causer une tension artérielle haute. Élevé, donc, ça peut également accroître la possibilité d'angine. Et il y a eu des rapports isolés d'attaques cardiaques et d'autres problèmes après le ACV et autres. Et donc, avec votre système cannabinoïde, ça aide à faire fonctionner vos intestins. Donc, si vous en prenez, donc ça va ralentir. Et des fois, ça ralentit tellement que vous allez avoir une grande constipation et vous devrez aller à l'hôpital pour faire régler ça. Et plusieurs personnes
qui ont une insuffisance rénale sont déjà des médicaments qui les constipent. Donc, le cannabis peut causer de la constipation sévère, qui peut être un problème, comme vous le savez, si vous êtes sur le dialyse péritonéale. Le cannabis peut également avoir un impact sur votre système immunitaire, mais tout le monde est différent dans la façon dont, dans l'effet du cannabis sur le système. Donc, chez certaines personnes, ça peut rendre hyperactif chez certains, alors que chez d'autres, ça peut réduire le système immunitaire. Donc, vous êtes plus risqué d'attraper des infections. Le cannabis peut également aboutir à l'infertilité, un cycle menstruel anormal et une qualité moindre et moins nombreuse de sperme. Et si le cannabis est pris pendant que vous êtes enceinte, ça peut avoir un impact sur le développement du cerveau de l'enfant, ainsi que de son corps, sa grosseur. Parfois, ils sont donc plus petits, les enfants. Et après la grossesse, lorsque le bébé est né, et si la femme allait, le cannabis traverse par le lait maternel et peut également avoir un impact encore sur le cerveau de l'enfant. Le cannabis a un potentiel d'habitude, de dépendance, et ça va chez les adultes 1 à 10 et chez les ados 1 à sur 6. Mais il est possible que du CBD pur ne crée pas autant de dépendance que le THC, mais on ne sait pas exactement. Il y a encore des études qui sont faites sur le sujet. Et si le cannabis, à un moment donné, est arrêté, on peut avoir des symptômes de retrait. Donc, il est mieux d'en arrêter de façon douce. Et quels sont les risques aux reins? Il y a des récepteurs qui ont un effet sur la circulation du sang dans le corps. Mais il n'y a pas de preuve documentée aujourd'hui que le cannabis cause la maladie rénale ou qu'il augmente la dysfonction rénale ou la perte de la fonction rénale de votre rein greffé. Mais donc, il faut faire attention. En achetant sur la rue, il y a des cannabinoïdes synthétiques qui s'appellent Spice ou K2, K2, mais ils ne sont pas du cannabis. Et ces composés-là peuvent être ajoutés avec plein d'autres substances comme du plomb, du mercure, de l'arsenic ou des opioïdes. Donc, ce n'est pas bon à faire. Acute kidney failure that has required dialysis. Et tout cela a été relié à une insuffisance rénale aiguë dans certains cas. À cause des spices du K2, donc non, ces patients avaient une insuffisance rénale aiguë, donc n'ont pas été en hémodialyse. Non, il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome d'hyperémèse cannabinoïde. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la nausée que vous obtenez quand vous êtes enceinte, c'est-à-dire une nausée cyclique. Tôt le matin, vous pouvez avoir une douleur abdominale très grave et une perte d'appétit, une perte de poids. Donc, nausée, vomissement, moins d'appétit, perte de poids sont des symptômes de ce syndrome. Et en tant que néphrologue, si je ne sais pas que vous prenez du cannabis, je vais peut-être vous traiter pour tous ces symptômes, pensant que vous avez une insuffisance rénale aiguë et commencez votre dialyse, ce qui veut dire qu'on commencerait la dialyse beaucoup plus tôt que ce qu'on devrait. Et si vous êtes en dialyse, je penserai peut-être que la qualité de la dialyse que vous recevez à l'heure actuelle n'est pas idéale. Donc, on décidera peut-être de vous faire passer de dialyse péritonéale à l'hémodialyse, ou si vous êtes en hémodialyse, peut-être on voudra augmenter le rythme de l'hémodialyse. Et donc, si vous prenez du cannabis, comme je l'ai dit, c'est légal.
Le cannabis peut faire de bonnes choses, mais c'est important que votre équipe de soins soit au courant que vous prenez du cannabis. Alors, donc, pour renforcer ce que le médecin vient de dire, certains des avantages du cannabis sont les suivants. Ça diminue la nausée, le vomissement. Ce sont des raisons pour lesquelles les gens les utilisent. Elle réduit également la perception de la douleur. Donc, certaines personnes trouvent que ça les aide à contrôler leur neuropathie, des problèmes nerveux. Certains vont l'utiliser pour améliorer leur glaucome ou leur pression intraoculaire. Et certains l'utilisent pour augmenter leur appétit. Il y a des dérivés également qui sont vendus sous forme de médicaments. Prochaine diapo. Donc, en tant que pharmacienne, et comme le Dr. Capel l'a dit, je crois que toute cette discussion devrait être une discussion honnête. Si vous voulez utiliser du cannabis, il faut voir quelles sont les interactions avec les médicaments que vous prenez pour votre insuffisance rénale chronique. C'est un nouveau domaine, on ne comprend pas toujours complètement tout, mais comme le docteur Capel a dit, il y a 700 composés différents, à part le THC et le CBD. Donc, il peut y avoir beaucoup d'interactions médicamenteuses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas encore. Là, je vais vous en mentionner quelques-unes. Si vous prenez de l'alcool, et surtout si vous prenez du THC, ça peut avoir un effet qui s'ajoute. Même chose si vous prenez des médicaments pour dormir, avec certains médicaments pour l'épilepsie. Et ça, c'est très intéressant. La phénytoïne peut diminuer la quantité de cannabinoïdes dans votre sang parce que ça accélère la décomposition de ces composés avec le clobazone. C'est le contraire. Ça va empêcher la décomposition des métabolites et donc vous aurez une augmentation des effets du cannabis, du clobazone par le cannabis. Certains antidépresseurs, fluoxétine, fluvoxamine, peuvent augmenter la quantité de cannabis dans votre système parce que ça ralentit sa décomposition au foie. Et la clarithromycine, qui est un antibiotique, et le fluclanazole, qui est un antifongique, ralentiront également la décomposition du cannabis dans l'organisme. Donc, encore une fois, vous aurez un effet peut-être plus important. Le Plavix ou le clopidogrel peut interagir également avec le cannabis. Et la warfarine, ça, c'est vraiment intéressant. Si vous prenez de la warfarine, ce qu'on appelle régulièrement le Coumada, et que vous fumez du cannabis, ça va dire à votre foie de se débarrasser de la warfarine plus rapidement. Donc, vous aurez besoin d'une dose accrue de warfarine. Donc, j'utilisais un graphique semblable quand je parlais de médication complémentaire en tant qu'équipe. Il faut qu'on soit honnête les uns envers les autres. Pourquoi on prend ces médicaments, produits de phytothérapie ou le cannabis, parce qu'ils pourront augmenter ou diminuer les effets de vos médicaments prescrits ou du cannabis que vous prenez ou des suppléments alimentaires ou complémentaires que vous prenez en plus de vos médicaments. Et ce à quoi il faut faire vraiment attention, c'est que si vous prenez un médicament prescrit qui a une fenêtre étroite entre le trop ou le pas assez, on voudra savoir si vous prenez du cannabis et le Dr. Capel va vous répéter la même chose. Mais si vous voulez commencer à une dose faible et augmenter graduellement pour qu'on puisse voir l'effet de la combinaison de ces médicaments sur votre système. Et Chantal,
Je pense que nous allons faire un autre sondage maintenant. Donc, on est curieux. On aimerait savoir est-ce que le cannabis vous a aidé avec vos symptômes de maladie rénale? Oui, non, je ne suis pas sûre ou je n'ai pas consommé de cannabis. On va vous donner quelques secondes pour y répondre. Donc, oui, Chantal, on va mettre fin au sondage. Les résultats, quand on regarde les résultats, oui, bon, certaines personnes ont dit que ça a aidé à réduire leurs symptômes, mais la plupart des gens disent qu'ils n'ont jamais utilisé de cannabis, mais certaines personnes ont trouvé que ça n'avait pas été utile et 12% ont dit qu'ils ne sont pas certains. OK, back to you, Dr. Capel. Alors, à vous, Dr. Capel. Thank you very much, Joyce. Merci beaucoup, Joyce. Non, c'est très intéressant de voir que certaines personnes, lorsqu'elles utilisent du cannabis, voient leurs symptômes réduits. Mais il y a quand même un certain pourcentage qui a dit non, ça n'a rien fait, ça n'a pas aidé. Donc, je veux rappeler le fait que chaque personne répond différemment à du cannabis. Si je prends du cannabis, ma réponse sera peut-être différente à celle de Joyce si elle prend du cannabis. Donc, chaque personne est différente et ça, c'est la chose la plus importante à se rappeler pour le reste de cette présentation. Donc, si vous utilisez du cannabis, voici certains trucs qu'on voudrait vous donner. Alors, le cannabis peut affecter votre capacité à recevoir une greffe rénale. Et ça, c'est très individuel. Ça dépend des programmes de greffe. Certains programmes vont permettre l'utilisation du cannabis, consommé et non pas fumé. D'autres refusent tout ce qui est cannabis. Alors, chaque centre de greffe est différent. Donc, c'est très important que vous vérifiez avec votre programme de greffe pour voir quel est le protocole face au cannabis. Et ça s'applique aussi avec quelqu'un qui veut donner un rein. Si quelqu'un veut vous donner un rein, il y aura peut-être différents protocoles pour ces donneurs vivants. Encore une fois, peut-être que le cannabis qui est mangé, ingéré, sera correct, mais que le cannabis fumé ne le soit pas. Et la raison pour laquelle c'est peut-être correct d'en consommer, d'en ingérer et de le fumer, non, c'est qu'il y a tellement de composés dans la fumée du cannabis que ça peut poser des problèmes au niveau pulmonaire. Et je pense que c'est la prémisse sur laquelle se basent la plupart des centres de greffe. Mais vérifiez avec votre centre parce que chaque centre a des politiques différentes. Si vous voulez essayer le cannabis, essayez d'utiliser surtout des doses qui ont une teneur élevée en CBD et faible en THC. Et si vous allez dans les magasins qui existent partout à travers le pays, les gens doivent être en mesure de vous donner la teneur en CBD, la teneur en THC, pardon, de chacun de leurs produits et ça n'inclut pas les produits topiques. Et vous devriez éviter tout ce qui s'appelle cannabis synthétique que vous n'êtes pas capable d'acheter dans les magasins légaux, comme le K2 ou le Spice, qui s'achète dans la rue. Vous devriez essayer de limiter votre utilisation de cannabis, on va dire, au lieu de le faire tous les jours, peut-être le faire une fois par semaine ou même moins, si possible. Et comme je l'ai dit auparavant, commencez avec une dose faible et augmentez lentement, ça diminuera les effets secondaires. Et les effets secondaires que vous voulez atténuer, c'est la faiblesse, manque de jugement, difficulté à penser. Si vous allez avec un produit riche en CBD parce que ça vous aide pour la douleur arthritique ou toute douleur que vous pourriez avoir, d'autres problèmes physiques. Commencez avec une dose
faible, la plus faible possible. Par exemple, si vous commencez avec de l'huile de cannabis, utilisez le moins possible et après 2 ou 3 jours, augmentez votre dose graduellement jusqu'à ce que vous voyez un effet. Et la plupart des gens vont prendre un produit de cannabis habituellement 6 à 8 semaines avant de voir un changement et de dire oui, ça aide ou non, ça n'aide pas. Et il faut savoir également que l'utilisation chronique peut mener à l'accoutumance. Vous devriez reconnaître que de consommer du cannabis, surtout quand la teneur en THC est importante, vont vous donner des fringales. Et des fringales comme ça peuvent faire en sorte que vous mangiez davantage de sel. Donc, vous devriez boire davantage d'eau, parce que c'est comme ça que fonctionne l'organisme. Et si vous buvez plus d'eau et que vous êtes en dialyse, vous allez avoir plus d'enflure, vous allez avoir le souffle plus court. Donc, vous allez développer une surcharge de liquide si vous prenez du cannabis et avec des fringales et comblez ces fringales. Si c'est possible, et c'est fortement recommandé, vous devriez permettre à votre cerveau d'arriver à son plein potentiel et de retarder l'utilisation du cannabis jusqu'à l'âge de 25 ans et plus. Ceci étant dit, de 40 à 50 % des adolescents à l'heure actuelle consomment du cannabis d'une façon ou d'une autre. Et vous devez savoir que le cannabis peut affecter votre fécondité. Donc, si vous voulez avoir des enfants, vous devez y penser. Si vous êtes enceinte, le cannabis peut avoir un effet sur le développement du cerveau du bébé. Et vous pourrez aussi avoir un bébé de petite taille. Et les femmes qui ont des maladies rénales chroniques ont souvent de petits bébés à cause de leur maladie rénale. Donc, si vous combinez le cannabis et ses effets à votre maladie rénale, vous pouvez avoir des enfants qui seront de poids très faible. Également, il faut faire attention, ça peut avoir un impact sur le cerveau, donc vous ne devriez pas conduire un véhicule ou tout équipement mécanisé lorsque vous avez pris du cannabis. Vous devriez attendre au moins 6 heures après l'utilisation de cannabis et rappeler vous, la combinaison alcool et cannabis va empirer la situation. Donc, 6 heures après l'utilisation de cannabis, avant de conduire un véhicule ou de la machinerie. Et pour certaines personnes, il est possible que vous deviez attendre 24 heures parce que chez vous, les effets durent plus longtemps. Et bien sûr, si vous utilisez le cannabis, comme je l'ai dit, avec de l'alcool, vous allez avoir un double effet. Donc, même si ça peut être difficile de dire à votre équipe de soins rénales que vous prenez du cannabis, parce que certains d'entre nous, professionnels de la santé, sommes contre l'utilisation de cannabis. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise d'en parler avec votre équipe soignante, dites-le à quelqu'un d'autre que votre médecin ou vos infirmières dans l'équipe soignante. Parce qu'ils sauront, cette équipe saura ce que vous prenez, ils feront attention dans la prescription de certains médicaments. Ils vont s'assurer que vous êtes en toute sécurité. Si vous avez des symptômes qu'ils ne sont pas capables d'expliquer et qu'ils pourraient demander de plus en plus d'examens parce qu'ils ne savent pas que ça peut être dû à une interaction médicamenteuse et le cannabis. Et si vous avez des syndromes d'hyperémèse au cannabis, il faut qu'on le sache et les effets secondaires pourraient être là aussi. Donc, si vous avez des syndromes d'hyperémésie au cannabis, ça pourrait masquer même ou même encourager vos symptômes d'insuffisance rénale ou faire en sorte que votre néphrologue ou votre équipe de soins pense que votre dialyse ne fonctionne pas. Donc, même si c'est difficile de le faire, c'est vraiment très important de le dire à votre équipe soignante que vous utilisez un produit de cannabis, que vous le fumiez, l'ingériez, que vous le mettiez de façon topique sur votre peau. Il faut leur dire. Et voici certains liens pour des patients. Alors, on a probablement tous fait des recherches sur Google. Avec l'Internet, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Donc, voici
certains liens qui sont fiables et qui sont très utiles, qui ont été mis en place par des universités. Il y a RxFile. Et on va mettre un lien dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, RxFile vient de l'Université de Saskatchewan. Ils ont une belle lettre circulaire sur les cannabinoïdes. Il y a beaucoup de questions, de réponses. Alors, si on n'a pas répondu à vos questions aujourd'hui, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ce site. L'Université de Waterloo a également un bon site web, ressources sur le cannabis de l'École de pharmacie de l'Université Waterloo. Et je continue à taper sur ma touche, mais ça ne fonctionne pas. Le gouvernement du Canada reconnaît également que beaucoup de personnes prennent du cannabis et donc ont établi des lignes directrices. Il y a le Canada's Lower Risk Cannabis Use the Guideline, ligne directrice pour l'utilisation du cannabis sans risque du Canada, ainsi que cannabis 101 pour l'utilisation médicale et récréative du cannabis. Et comme Dr. Kappel a mentionné, pour les femmes particulièrement, si vous voulez concevoir, il y a certaines préoccupations pour la santé des femmes. Donc, il y a des centres d'excellence pour la santé féminine qui ont mis en place un excellent site web. Celui que vous voyez dans le bas de l'écran est en français. Ce qui est assez surprenant aussi, il y a des vidéos sur YouTube qui offrent des points de vue différents. Il y a des vidéos sur YouTube qui ont été mises en place, par exemple, par la Société d'obstétrie et gynécologie du Canada, la SOGC, et un autre par le gouvernement et un autre plus général sur le cannabis. Donc, on espère qu'au cours des 30 dernières minutes ou à peu près, vous en avez appris un peu plus sur le cannabis. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment les gens le prennent? Quels sont les risques pour la santé du cannabis qui s'attaque d'abord à votre cerveau ou au système nerveux central? Quels sont les risques qu'il y a pour vos reins? Et à ce moment-ci, il y en a peu ou presque pas. Mais les choses peuvent changer, donc il faut faire attention, voir les sites web qui publient des recherches. Le site du gouvernement du Canada est toujours un excellent site. Je pense que vous avez compris qu'il pouvait y avoir des interactions entre les médicaments et le cannabis. Et donc, je vous invite à parler à votre équipe de soins, que ce soit l'équipe de néphrologie, l'équipe d'insuffisance rénale, l'équipe de transplantation. Et si vous utilisez du cannabis, j'espère que les trucs qu'on vous a donnés vous seront utiles, vous permettront de vous rappeler qu'il est plus important d'avoir une concentration plus importante de CBD que de THC. Ceci étant dit, je vous remercie tous d'avoir été ici aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Lydia. Merci beaucoup, Dr. Kappel. Merci beaucoup à Joyce aussi. Nous avons beaucoup de questions. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous résumer tout cela. On n'a pas beaucoup de temps, mais donc, la première question que nous avons, c'est si quelqu'un a pris du CBD pour la gestion de la douleur, est-ce qu'ils ont eu des problèmes? Est-ce que c'est fréquent? Le niveau de créatinine est monté de 10%. Ça veut dire que cette personne me dit que sa fonction rénale s'est améliorée. C'est que ça, j'ai compris. Donc, c'est difficile pour moi d'interpréter ça, mais la créatinine a augmenté de 10%. Si la créatinine s'est augmentée de 10%, ça veut dire que la fonction rénale a diminué. Et malheureusement, je ne peux pas dire que l'huile de CBD
a causé cette diminution de la fonction rénale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter la façon dont fonctionnent les reins. Donc, il faut faire attention pour ne pas attribuer une cause à une chose en particulier. Donc, c'est important de regarder la tendance, ce qui s'est passé avec la fonction rénale de cette personne. Donc, si la tendance était que la fonction rénale continuait à diminuer alors qu'il continuait à prendre du CBD, peut-être. On pourrait dire d'essayer de diminuer la quantité d'huile de CBD ou d'arrêter l'huile de CBD pour voir ce qui va se passer avec la fonction rénale de cette personne. Merci beaucoup. Certaines personnes ont également dit que le cannabis, c'est juste un peu comme de la cyclosporine. Je voulais voir si c'était mieux. There is any interactions with cyclosporine. Y a-t-il une interaction finalement avec la cyclosporine? J'ai trouvé une référence où on dit qu'il faut faire attention avec la cyclosporine. Laissez-moi, je veux une autre feuille là-dessus avec toutes les interactions médicamenteuses possibles. Voyons voir. Yeah, so, oui, donc, je pense que ce qui se passe, comme Dr. Kaplan a dit, il y a tellement de composés différents dans le cannabis. Ils sont tous métabolisés au foie. Donc, il semble que ce que ça fait, c'est que ça peut interférer avec le métabolisme au foie de la cyclosporine. Et c'est assez intéressant ici aussi, ça c'est plus particulier pour le jus de pamplemousse. On dit qu'il y a une enzyme qui s'appelle le CYP384 dans le jus de pamplemousse qui crée une inhibition du gras. Donc ça diminue à quelle vitesse le cannabis est métabolisé dans l'organisme. Donc, ça a un impact sur la cyclosporine, ça peut diminuer la vitesse d'élimination de la cyclosporine. J'ai continué à regarder parce que j'avais vu quelque chose particulièrement sur la cyclosporine à quelque part. Si je peux, Joyce, l'un des sites web dont vous avez parlé, c'était le site web de RX File. Il y a beaucoup d'informations là-dessus sur les interactions médicamenteuses avec le cannabis. Donc, j'encourage la personne qui a posé cette question, si elle peut, d'aller sur ce site web de RX Files et d'aller chercher son information là-bas. C'est une excellente ressource. Oui, merci. Merci, c'est bon commentaire. Malheureusement, nous avons peu de temps. Je sais qu'il y a beaucoup de recherches encore à faire, beaucoup d'études, surtout pour les patients souffrant de maladies rénales chroniques et d'interactions médicamenteuses. Et donc, il y a beaucoup d'informations qui changent à l'heure actuelle. Donc, ce que je vais faire à ce moment-ci, c'est de remercier Joanne et Joyce pour une présentation très intéressante aujourd'hui. Vous nous avez donné matière à réfléchir et beaucoup d'excellents trucs. Encore une fois, si vous avez des questions supplémentaires ou des commentaires ou avez besoin de davantage d'informations, contactez votre succursale régionale de la Fondation Durand ou envoyez-nous les questions au site web de kidney.ca ou de rein.ca. Merci beaucoup, Joanne et Joyce. Bienvenue et merci à tout le monde. Merci.